On revient sur le meurtre de Génique Dalcourt, survenu à Longueuil. C'était il y a presque 10 ans. On rejoint le collègue Yves Poirier au palais de justice de Longueuil. Yves, le suspect a comparu et il est accusé. Oui, voyez tout de suite à l'écran d'ailleurs les photos de Michael Jalbert, Michael McDuff Jalbert, 35 ans, qui a été formellement accusé tantôt, Marianne, du meurtre au premier degré de Génique Dalcourt, qui, je le rappelle, n'avait que 23 ans en octobre 2014, lorsqu'elle aurait été attaquée puis sauvagement battue à mort à coups de barre de métal, laissée comme ça sur une piste cyclable près du chemin Chambly dans le vieux Longueuil. Selon les informations du bureau d'enquête, il s'agirait de l'homme que le service de police soupçonnait depuis le début de cette enquête il y a à peu près 9 ans. Il serait également celui qui aurait composé ce soir-là, Marianne, le 911 pour dire qu'un corps se trouvait sur la piste cyclable. Effectivement, les parents de Génique étaient sur place, Monique Dalcourt et le père de Génique, Jean Gandolfo, qui ont assisté à la comparution et qui ont pu voir l'homme qui leur a enlevé leur fille il y a 9 ans. Je vous fais entendre le père de Génique. Génique was only 23 years old, a bright, beautiful young woman with her whole life ahead of her. Nothing will bring back Janique, but this will give our family some degree of closure in knowing that the person, Michael McDuff, who took her from us, will be punished. Et Yves, est-ce qu'on sait comment on a pu en arriver à finalement porter des accusations? Pas précisément, Marianne. Certains pensent que c'est de l'ADN. Les policiers ne veulent pas confirmer. Ils parlent de méthodes spécifiques dans le domaine des sciences judiciaires qui ont permis de mener à cette arrestation. Des réactions de Maître Marc Bellemare, suivi de Roger Ferland, policier à la retraite. Très heureux, très content de voir qu'enfin la police de Longueuil aboutit, parce que on se souviendra qu'à l'époque, il y avait un suspect qui avait été évoqué. Et la police avait finalement décidé de ne pas porter d'accusation. Il semble que la preuve se soit améliorée de ce côté. Je suis très content pour la famille, pour Monique, évidemment, que j'ai représentée jusqu'en cour d'appel contre IVAC, qui est certainement soulagée aujourd'hui de voir qu'il y aura probablement un dénouement sur la scène judiciaire. Maintenant, les avancées technologiques dans l'ADN, on l'a vu dans d'autres dossiers. Marc-André Grenon, le patronyme Y, a été extrêmement bavard, a donné des éléments. Mais là, qu'est-ce qu'on a de plus? On avait-tu de l'ADN partiel? Je ne le sais pas. Mais c'est tous ces éléments-là qui font en sorte que, là, aujourd'hui, on en vient à une preuve hors de tout doute, pour l'accusé du moins. Et voyez d'ailleurs ces images en terminant, Marianne, images d'archives de Mika. McDuff, Jalbert, le principal suspect arrêté dans cette affaire. Si on a ces images, c'est qu'il faut s'en souvenir, à l'époque, il avait été interrogé par les policiers, devait comparaître ici au palais de justice, mais finalement, il avait été relâché, mais maintenant, il est à l'intérieur, corporé, et il reviendra en cours le 19 juillet prochain pour la suite des procédures. On suivra ça avec beaucoup d'attention, il va s'en dire. Merci beaucoup, Yves. Au revoir.